DLC Arena, c'est parti pour ce Villeurbanne-Valence. Premier ballon pour les Villeurbannais. Avec Paris Lee qui pénètre. Yeah. Brandon Davis qui joue en bas. Oh la bâche, énorme bâche de Youssouf Afal. Ouais, la Zec a l'air bien défensivement sur ce début de match. Louo Camaro. Alex Mondon qui ne sort pas, hein. Il prend le risque. Hein. L'Auvergne. Oh là 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 là, mais le niveau de jeu de Geoffrey L'Auvergne en ce moment, Ali. C'est extraordinaire. Inglis, Jones. Jones qui ouais, marque. Ça, ça. Il en a fait des cartons avec l'Asvel. Ouais. Hein. Ah oui, clairement. Il a ce mid-range là, ce tir à mi-distance qui est absolument fatal. Remise en jeu pour l'Asvel. David Lighty. Paris Lee. Geoffrey L'Auvergne. Oh là là, encore un. Mais il est absolument magique, Geoffrey L'Auvergne. Nando De Colo. Nando De Colo face à Claveur. Il est passé. Rebond de Yusfal. Max Scott est entré en jeu. Nando De Colo. Oh, Nando De Colo, oh, il l'a trouvé. Il l'a trouvé à l'arrache, mais il l'a trouvé. Charles Cahudi. Donc, j'allais vous dire, alors que Jovic, là, ouais, tient la balle. Oh là là. Le dunk carrière de Boubacar Touré. Eh ben, ça stoppe mon commentaire. En tout cas, ça stoppe la série parce que j'allais vous dire qu'il y a eu un 8-0 pour l'Asvel. De Colo. Nando De Colo. Nando De Colo. Magnifique. La passe pour John Ekounou. Quelle régalade cette passe. Rony Turia fait aux anges en tribune. Ouais, c'est superbe. Bah, il connaît Rony. Hein. Avec l'équipe de France, il en a eu des caviars comme ça. Il en a eu des galettes. Exactement, c'est un régal. Là, on est en plein dedans. Hein. Et le 3 points derrière. Un petit clinique du magicien de l'Asvel. Mais je me demande s'il n'en a pas raté autant ce soir que depuis le début de la saison. Bah, hein. Si, clairement. Chris Jones. Inglis. Et le shoot de Cassius Robertson qui n'a pas mis un depuis le début de la saison, Ali. Voilà, il est hyper costaud et il a ce fadeaway, ses 3 points. Meilleur marqueur du match, Ojeleye avec 9 points. Ah, ouais, voilà. Ça y est. TNC, sous le regard de Boris Dalot. Et après, ouais, je dois vous avouer que le niveau affiché sur le terrain, il est pas extraordinaire. On n'est pas sur du basket champagne. Et ben si. Le dunk de Brandon Davis. Ça switch. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait là, Paris Lee, ouais. Il est obligé de le prendre le shoot parce qu'ils étaient en fin de possession. Et la balle est toujours pour l'Asvel avec David Lighty qui marque. L'Asvel mène pour la première fois de la deuxième mi-temps. Là, ce ballon, il vaut cher, Ali. Il vaut cher, hein, ouais. Parce qu'il y a 7 points d'écart, qu'on approche de la fin du troisième quart-temps et que ça peut donner 10 points d'avance pour Valence. Ce sera la première fois du match, c'est magnifique. Quelle belle séquence. Et dernier ballon, donc, pour le coup, pour Valence, qui a l'occasion de passer au-dessus de la barre des 10 points d'avance. Aïe, 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 Jean-Ryan Harper à 3 points. Terrible. Ouais. Terrible. On sent que le match peut... Oh, Chris Jones, voilà, là-bas, Chris Jones. Vous l'avez dit en avant-match. On l'a pas vu. Vous venez de dire qu'on ne l'avait pas vu de la soirée. Et il marque à 3 points. Cette saison, statistiquement, il n'est pas extraordinaire, Chris Jones. Mais quand il faut mettre un shoot clutch, il est toujours là. Et Timothée Luo Cabarro derrière qui rate. Oh, j'ai bien peur qu'il ait mis le couvercle, ouais. Là, Chris Jones, avec son panier à 3 points, assassin. Jones, Jovic, à l'opposé, Chris Jones, à 3 points à nouveau, rideau, incroyable, incroyable, voilà. On était en train, vous étiez en train de sortir ces stats pour dire donc c'était 1 sur 8 au tir, c'est ça, exactement. 1 sur 8 au tir, des balles perdues, et derrière il met deux paniers, deux bonnes filoches à 3 points, pour tuer le match, qui redonne 15 points d'avance, c'est ça.
c'est aussi l'un des matchs où ils ont pris le moins de points aussi. Le match où ils ont pris le moins de points. Oh là 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 là, Chris Jones. On a compris. 3 sur 3, 3 points. Sur quoi 2 minutes de jeu, même pas. Et pour tuer le match. Hein. 1 minute 30. Oui, 2 minutes de jeu, c'est ça, parce qu'il avait commencé à 3 minutes de la fin. J'ai, limite, je me dis qu'il a fait exprès, ce coquin. Il est sorti de sa boîte, le diablotin Chris Jones, l'ancien Villeurbanais. Il, voilà. Il trucide son ancienne équipe, là, de 3 coups de patte. Exactement. Et l'écart va être terrible, parce qu'il va être autour des 20 points au final. Encore ? Pourquoi pas. Eh oui, encore ! Et c'est terminé. Le score final est absolument terrible. 78 à 55. Et des sifflets descendent des tribunes de la LDLC Arena. Plus 23 au final pour l'équipe de Valence. C'est une déroute ! C'est une terrible déroute ! La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.